Nous sommes à Cannes, dans le Media Leader Cannes Café. Nous recevons aujourd'hui Alban Villani, qui est CEO Europe et Asie pour Epsilon. Bonjour Alban, bienvenue. Bonjour, merci. Donc Epsilon, nouvelle aventure, en quoi ça consiste? Comment Epsilon se positionne sur le marché aujourd'hui? Quelle est sa mission et sa stratégie? Évolution plutôt que nouvelle aventure, dans le sens où j'étais auparavant déjà au sein du groupe à Publicis. Je travaillais pour Citrusad, qui est maintenant Epsilon Retail Media et qui fait partie de la suite de produits sous Epsilon. Epsilon à Cannes, l'idée c'est de pouvoir un petit peu expliquer à nos partenaires et à nos clients potentiels justement ce qu'on est capable d'apporter et surtout d'évangéliser un petit peu la solution de résolution d'identité autour du Core ID qui est quand même notre produit phare ou en tout cas la pierre angulaire de l'ensemble de nos prestations. Donc vous annoncez justement la création de 15 millions de Core ID. Alors, le Core ID, simplement, qu'est-ce que c'est et qui peut s'en saisir aujourd'hui comme acteur sur le marché? Alors, plus que donc création, il s'agit d'une évolution du Core ID. Petit à petit, on rajoute des Core ID au fur et à mesure de nos partenariats, en particulier avec des retailers. Le Core ID, il s'agit d'une... C'est un élément propriétaire de notre côté qui permet en tout cas aux marketeurs et aux marques de parler à des individus plutôt qu'à des devices. C'est extrêmement important dans une logique de personnalisation. On a absolument envie d'être le moins intrusif possible et d'aborder finalement des campagnes de publicité qui vont parler à une personne. Et le Core ID, la manière dont on le capture, c'est principalement en faisant le lien entre de l'offline et de l'online. Le offline, ça va être par exemple des éléments qu'on va récupérer de CRM, de data lake. Le online, ça va être des informations qui vont être de suivi d'utilisateurs, par exemple des cookies. Et notre capacité à matcher ces informations-là nous permet de créer ces sortes d'ID uniques qu'on appelle Core ID. Et certains, justement, pointent du doigt cette ultra-granularité aujourd'hui dans les campagnes pub. Vous leur répondez quoi? Alors, le fait que ce soit ultra-personnalisé, à mon sens, permet justement d'éviter d'avoir des messages qui tombent à côté de ce qu'on cherche. L'objectif, c'est d'être, comme on dit, là au bon moment, en face de la bonne personne, avec le bon message. Si vous n'avez pas ce type de granularité, dans la compréhension de cette personne, forcément, vous allez vous tromper à un moment donné. Donc pour nous, cette granularité est essentielle. Est-ce qu'elle peut faire un petit peu peur? Peut-être, parce que certains retailers ou certaines marques ont du mal à saisir ce qu'il y a derrière, mais lorsqu'on commence à leur expliquer la manière dont on capture cette information, ça les rassure et on peut avancer.